بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامين وعلى اله وصحبه والتابعين وبعد ايها الملا الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته lors de notre dernière émission c'est-à-dire il y a de cela une semaine nous avons abordé un thème qui nous tenait à cœur ici sur le plateau qui qui concernait la révélation l'ouahie Surtout en cette période difficile de la pandémie dite Covid-19. Nous, nous, nous sommes là dans, un, dans, dans des interrogations ou bien nous subissons même des pesanteurs théologiques qui font que nous ne serons jamais en oui. mesure de donner des réponses vraiment claires, nettes et qui satisfassent tout le monde. Mais au moins, nous avons, ou du moins nous l'espérons, nous vous avons donné matière à réfléchir sur le sujet. Quel est. La, la, quelle pourrait être la place de la révélation dans ce monde d'aujourd'hui. Ou en d'autres termes, que pourrait perdre l'homme, l'humanité, sans cette, cette révélation, sans recourir à cette révélation. Aujourd'hui, nous allons parler de ce que nous appelons en langue arabe Firkulwerkia, que nous avons communément décidé de traduire par jurisprudence du vécu. Quand nous parlons de, 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 de la révélation qui sur le plan pratique va se transformer, se décliner en sharia, en une législation, nous sommes obligés, comme, comme je, nous, nous le disions la dernière fois, beaucoup de gens verraient en cela une forme rétrograde, une forme de pensée qu'on pourrait qualifier de rétrograde, d'obsolète, de dépassée. Mais est-ce réellement le cas Aujourd'hui, nous allons tenter de vous donner des éléments qui, qui démontrent Jusqu'à quel point cette législation appelée Sharia est, euh, est, est plus qu'opportune pour la vie d'aujourd'hui, pour l'humain d'aujourd'hui. Je commencerai par vous, euh, professeur Bilmaki. Alors, Sharia, quand nous parlons de Sharia islamia, du droit divin, du, du droit canon, Sommes-nous dans quelque chose qui va à l'encontre de toute forme de civilisation, qui va à l'encontre de la nature humaine elle-même, ou sommes-nous dans quelque chose qui pourrait véritablement aider à parfaire ou à rendre plus heureuse cette humanité euh, Évidemment, c'est ce qu'on essaye de faire croire. Euh... C'est ce qu'on essaye de faire croire. Vous voulez dire que, que ça ne peut pas. – Faire le bonheur de l'humanité. – Voilà. – D'accord. – Que euh, ce, ce n'est pas conforme euh, aux aspirations de, de l'humanité, de la civilisation, etc. Alors que, euh, en principe, l'islam lui-même, « huwadil fetra ».– L'inéité, la nature primordiale. – C'est la religion de, de la création euh, originelle, c'est-à-dire… La création telle que l'a voulu Dieu. Subhanallah. – wa Donc, donc euh, cette euh, tendance à croire que la sharia, c'est quelque chose de rétrograde, euh, d'inadapté à la vie euh, humaine, etc., c'est un peu rejeter cette idée que l'islam, c'est une façon de déconstruire l'islam d'ailleurs, c'est une, une façon de rejeter l'idée et la réalité que l'islam, c'est d'Inulfetra. Donc, la charia étant littéralement parlant et, et étymologiquement parlant, la voie qui mène vers Dieu, min sharia, c'est la voie. C'est la voie. Quand, quand les gens lisent la voie de Lao ce le Tao, ils disent c'est la voie. Mais quand il s'agit de la charia qui est la voie qui mène vers Dieu... Par la, excellence. Voilà. Non, ça ne ah, correspond pas, c'est contradictoire, etc. Donc la charia, l'islam étant d'inufetra. La charia étant la voie qui mène vers Dieu. Où, où, se, où se trouve le problème Le problème se trouve dans l'agencement de cette charia, l'agencement juridique de cette charia, donc pour, euh, pour, dans le but d'organiser de, de, la vie de la so sociale, so c'est-à-dire parce que la vie sociale, elle est réglée par des lois, des, 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 des règlements, euh, etc. Donc, euh, c'est une façon de ne pas reconnaître que la charia, c'est l'agencement juridique de lois naturelles, universelles, pour que l'humanité vive heureuse. C'est de là que commence la, la déconstruction. Alors, fiqh al-waqa, c'est l'intelligence, euh, la jurisprudence, euh, enfin l'intelligence euh, projetée sur le domaine juridique, c'est... L'intelligence de, de, de la réalité, du vécu. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'agencement juridique de cette charia comporte une partie qui dépend de l'évolution de l'humanité. Euh, c'est pas quelque chose de figé. Et l'un des problèmes justement de, des sociétés musulmanes, c'est ce qu'on appelle le taqlid. Le taqlid, on ne peut pas se suffire de taqlid. Le taqlid, c'est un ancrage. C'est un ancrage. C'est Mais... l'imitation. L'imiter, voilà. c'est... Ça mm. se traduit par imiter. Là, nous sommes beaucoup plus dans... Bon, ça peut être aussi le conformisme. Nous on, on, on euh, nous c'est-à-dire on imite tout ce qui se fait en société ou bien ce qui fait office de mode. Mais, mais, mais là, quand nous parlons de trlit, c'est beaucoup plus une sclérose de l'esprit. On est figé. Oui, qui, 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 euh, qui ne donne pas l'importance nécessaire à l'istihad. D'accord, pas d'effort de réflexion. Voilà, l'effort de réflexion. Parce que de l'istihad vient l'évolution intrinsèque de cet agencement juridique de, 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 des lois qui mènent vers Dieu. Très bien, voilà, donc, Qui jalonne alors... donc ce. Cette, cette voie, ce, ce cher. Avant d'aller vers Fiqh al-Waqa, il expliquait, le professeur Blumki vient de, de, de citer une phrase qui, qui a fait baume dans mon esprit. Il a parlé d'agencement de lois naturelles. Cet agencement des lois naturelles, c'était cette prise en considération d'un certain nombre de paramètres de la nature de l'homme. Ce que Dieu a créé, la manière dont ce que Dieu a créé fonctionne, c'est ce que nous appelons « sunan kauni », il y a les, les lois immuables qui font fonctionner tout le cosmos. En prenant en considération justement cet aspect de la nature, autant la nature dans toute sa, sa grandeur que la nature humaine, ne serait-il pas temps maintenant de commencer à essayer de résoudre un certain nombre de problèmes de, à l'échelle mondiale, hein, en prenant en considération beaucoup plus la nature que la culture que les hommes veulent imposer ou que certains lobbies veulent, veulent imposer. La nature, que, je ne sais pas moi, quand je parle <coughs> de l'émancipation de la femme, j'étudie le phénomène entre nature, c'est-à-dire celle inhérente à la femme, et culture. Ce que beaucoup ne veulent pas faire, parce qu'il y a derrière la culture des enjeux, il y a un bon fonds de commerce. Ne pensez-vous pas qu'il est temps justement de commencer à étudier les choses ou à faire de la nature un bon angle d'attaque c'est vrai que l'islam, comme l'a dit le professeur Mimbeki, est, est la, la religion de la nature innée, dit le Fétra. La création est la nature innée. Donc la création, elle est, elle est immuable. On ne peut pas changer, la, peut pas changer la, 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 la création. La nature humaine elle est, elle est immuable. Contrairement à la culture, comme vous le dites, qui est qui est qui est est changeante. Est absolument qui est changeante, qui est qui est, donc et ma foi le euh, déjà le, 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 la loi musulmane chère l'islamia, euh, elle offre elle offre les, les outils nécessaires justement à cette à, 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 à ce travail là. C'est quoi la la, la loi musulmane Pr Premièrement, on euh, on au on lieu il y a le Coran. Puis, puis il y a la, 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 la sunna, puis il y a, puis, il y a, la, il y a la, le consensus, l'hijma, juges, de la, umad, la com com communauté, il y a l'ijtihad il y a l'istihsan, etc., etc., Donc mm. il, il y a toute une panoplie de, de justement de règles qui donne qui, qui donne à, 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 l'occasion justement de de faire ce travail que, dont, dont, vous, dont vous venez de parler. Euh, la civilisation moderne, je dirais moderne et pas occidentale, parce que la civilisation, comme euh, euh, dirait un euh, sociologue dont j'ai oublié le nom, c'est l'occidentalisation du monde. Donc, même, mmh. même dans, dans, dans les pays musulmans, euh, malheureusement, oui, on ne, voit pas, on ne voit pas forcément la civilisation sous son aspect. Exactement. Eh bien on ne la définit pas comme, il de, comme on devrait le faire. Voilà, absolument. C'est l'occidentalisation. Voilà, on traite l'être sur... humain euh, euh, sous une optique. Euh, occidentale. occidentale et sous non le prisme, oui. Voilà, de et non pas, ouais. pas musulmane. C'est vrai, euh, que ce soit pour le, la, question de, la question de la femme. Euh, pour la, 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 la question de de l'économie, la question de la culture, euh, la question de de, 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 de la politique, euh, tout, tout, tout est tout est, tout, est, tout est étudié euh, en dehors en dehors de, euh, de des aspects des aspects euh, religieux. Donc euh, moi je vois que euh, nous, surtout nous, nous en tant que, que musulmans, nous sommes nous sommes, nous sommes, oubliés, nous sommes euh, dans la nécessité euh, de, de faire un travail, un travail en profondeur euh, pour justement euh, remettre, euh, redonner à, à l'être humain, avant tout à l'être à l'être humain, cet être, cet être humain que, que, que le Coran. Le Coran, dans le Coran, a dit à son sujet :« On a créé bani Adam ». Vous savez, c'est une, une expression, c'est une formule qu'on ne trouve pas ailleurs, oui. même, dans les, même dans, les, dans, les, dans les codes, les codes euh, euh, soi-disant humanistes, euh, les droits de l'homme, etc. On ne trouve pas cette formule-là « Takrim, Takrim Adam ». Donc, on doit, on est dans, on est dans la nécessité de revoir justement. Euh, la, la, la première la place de l'homme la place de l'homme euh, dans dans l'existence dans l'univers euh, dans l'émission passée le, le professeur Bimiki a parlé de de, de l'humanisme qui veut justement qui veut faire qui veut faire de l'homme Qui veut faire de l'homme la, la pièce centrale de tout. Quoi. Un demi-dieu, ouais. demi remplacé, remplacer, Oui, remplacé. Un substitut. Donc de Dieu, ça, ça revient à, 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 la, à la, la, la fameuse histoire de celui qui a volé le, le feu euh, aux, aux divinités. Prométhée, Exactement. Promété, oui. Donc c'est la vision prométhéenne mmh. de l'homme. Non, en, en Islam, en Islam, c'est la, la vision humanitaire, humanitaire est, et, ma foi euh, une vision énoblie de de, de, de l'être humain. C'est à cette euh, à cette euh, définition, à, à, à cet objectif là que, que nous devons nous devons œuvrer pour pour rendre à l'homme euh, <coughs> sa vraie, sa, vraie, sa vraie place et sa vraie nature. Mmh. Allez-y mmh. professeur. Il y a aussi ce problème de, on a parlé la semaine dernière de théophobie. Mmh. Oui. Par exemple. Si vous lisez un sage euh, euh, chinois de, de, du 5e-6e siècle avant Jésus-Christ, Confucius, Lao Tse, Bouddha, le, au Népal, Confici euh, le, comment il s'appelle, Zoroastre, oui. par exemple, bah, la, la, euh, ça c'est en Perse. Euh, euh, oui, mais c'est un sage, c'est un... Oui, mais euh, la différence entre euh, Confucius, mm. Lao Tse, Bouddha, c'est qu'ils ont appris aux gens la religion sans jamais prononcer le nom de Dieu vous ne trouverez jamais dans leur enseignement le mot Dieu. Mais ils ont appris aux gens d'être très près de Dieu, très proche de Dieu et de l'adorer. C'est ça, là, est ça le, ce qui apporte dans ce genre de, de wahi, hein, de, de hikmah. – D'ailleurs, pardon, je, hmm. je vous coupe, d'ailleurs il y a certains historiens musulmans qui, qui disent que, que, que Bouddha et Confucius… Oui, – ça peut être des prophètes. – Exactement, oui. dont, dont, dont on a… Dont oui. on a oui. Oui. Euh, la... Ce que je voulais dire, c'est que, mm. en Occident, mm. quand les Occidentaux lisent ces livres, ben, ils acceptent ce qu'il y a dedans. Parce que La notion de Dieu est absente oui. est absente. Est Par tout. exemple, si là où se leur dit la loi du Tao, c'est la voix. Le Tao, c'est la, la voix. Le oui. Tao de King. Oui. Mm. Et la ça. voix qu'on peut nommer n'est pas la voix. Alors il leur dit La voix dans, dans, la, dans le Tao, il y a le féminin et le masculin. Ils l'acceptent. Mais quand Dieu leur dit dans le Coran, ils rejettent ça. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui le dit. C'est ça le vrai problème. C'est la théophobie, le rejet de Dieu. Si un être humain dit quelque chose conforme aux enseignements de Dieu, il l'accepte. Mais si vous leur dites c'est Dieu qui le dit, il le rejette. Ça c'est très important. Et pourtant, Jésus, Jésus leur dit que ce Dieu qui le dit. Et il, et il est rejeté aussi. Est, oui, 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 mais oui. Oui, le, euh, problème, euh, le problème est que ces communautés, dans leur majorité, rejettent aussi, aussi ces petites congrégations chrétiennes. Bon, on ne les rejette pas comme on rejette un musulman, mais elles... bien sûr, on peut faire du... On peut faire du folklore comme ça sur, la, sur les, les, les grands médias, la télévision, oui, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il n'y a, a rien qui passe pour ces gens-là. En parlant de théophobie, théophobie, le, et avant même de parler de, 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 de la prise en considération des contingences du temps, des impératifs euh, du, 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 du lieu, du moment. Euh, qui, sont, qui sont autant de choses auxquelles la, 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 la loi canon ou le droit canon euh, donne du, de, de l'importance. Euh, parlons un peu de ce qu'est une loi divine. Alors, si nous prenons le, 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 modèle, le modèle, on va dire, de l'Église, imposé par l'Église catholique, le modèle papal, avec ses institutions, ses armées, sa... Tous les problèmes que ça a causés dans l'histoire, l'inquisition et j'en passe, nous sommes dans, 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 dans une forme de gouvernance qui n'a absolument rien à voir avec la loi divine, telle tel qu'initiée par l'islam. Euh, là, je suis. Moi, je parle de théocentrisme. C'est-à-dire que Sharia, elle est là, je la respecte. Euh, je la respecte et c'est un, un, un acte de piété. Je ne la respecte pas uniquement par. Euh, par, par, par le cerveau, par, avec un, sur le plan uniquement intellectuel. Je m'y conforme je, moi aussi. Oui, je m'y conforme. C'est le cœur qui s'incline ah, devant ça. Et nous sommes très très loin d'une de, de la, de la, de, de, théocratie imposée par, par des régimes religieux. Et puis, quand vous parlez de. Vous, vous, nous avons cité, il y a pas, il y a quelques instants, euh, Lao Tzu, Confucius et Bouddha. Bouddha ou bien Zoroastre. Je, si, si maintenant dans, toutes ces, dans tous ces modes de pensée Dieu a été occulté, je ne sais pas, je, 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 me, je me donne le droit de faire un rapprochement entre l'absence la, de Dieu ou de notion divine dans ces, dans ces pensées qui sont très très sages, somme toute faites parce que quand vous lisez Confucius ou bien le, 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 le livre de Lao Tse, euh, il y a de la sagesse, il y a beaucoup de choses auxquelles me renvoie au quotidien le Coran et la tradition du oui. Prophète okay. Mais attention, quand on étudie l'histoire, quand on étudie l'histoire, l'histoire humaine, on va se rendre compte que tout va justement, tout repose. Sur une terminologie et sur la manière dans cette terminologie ou, ou le but euh, qui, 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 que, que l'on attend de l'usage même de cette terminologie. Euh, Iblis, alayhi min ma quand il est venu induire Adam et Hawa en erreur, il ne leur a pas dit l'arbre que Dieu vous a interdit est un arbre qui pourrait vous donner ceci ou ce il a parlé de ou Khuld, l'immortalité. L'immortalité et puis un règne qui n'en finit point. C'est une terminologie qui est beaucoup, de loin, plus belle que. Attention, ne touchez pas à cet arbre. Non. Dans le Coran, ce n'est pas un pommier, hein c'est un arbre interdit. Oui. Pourquoi Dieu leur a interdit un arbre Juste pour les éprouver. Point barre. Les, par la suite, vous allez remarquer que tout justement repose sur ça. Le Coran revient de nombreuses fois sur cette notion de. In hiya illa kumma min sultan. Ce sont là des noms que vous avez inventés, vos et vos ancêtres, et en, en, au, au sujet desquels Dieu n'a pas donné de sultan, comment comment traduit on cela euh, euh, On fait descendre aucun argument euh, aucun, aucun ça, fondement exactement. il n'y a rien de non. tout cela non. tu n'as aucun pouvoir voilà. aucun pouvoir et le, et le autre point très très important maintenant j'ai tendance quand, quand je, je, vous, je vous écoute dire que l'occident accepte toutes ces sagesses entre guillemets parce que Dieu est absent de ces sagesses N'y aurait-il pas eu dans ces. Parce que nous pensons, comme l'a dit Ostad Boudjnon, que peut-être Bouddha pourrait être Dulkifl, selon l'étude de, de Hamidullah. Et puis il y a, il y a, des, il y a des relations où, 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 au, à l'origine même de toutes ces religions. On va se rendre compte que. Ceux qui ont été porteurs de ces religions pourraient être des prophètes, parce qu'il y a trop de similitudes avec les religions dites monothéistes. Si vous lisez le livre fondateur du védisme, qui sont les Védas, les quatre Védas, avec les Puranas, qui sont une addition de traditions orales, vous allez vous rendre compte. Chez les hindous. Chez les hindouistes, oui, chez les hindous. Ils ont aussi les Upanishads. Les, il y a non les Upanishads ça vient ça vient plus tard les Upanishads c'est comme un, un exégèse des des de, 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 de Oui il y a aussi il mmh. y, y, y a aussi les les Bhagavad Gita etc mmh. mais dans les, quand vous lisez les les, les, les Vedas vous allez retrouver il, il est fait question du fameux Messie qui, a, qui va venir, et ça ne pourrait être, ça cadre parfaitement avec Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Il, est fait, il, il est fait mention d'un endroit qui, qui fait l'objet d'un pèlerinage et d'une vénération absolue, qui s'appelle Mekteshwar. C'est là, Mek. L'histoire le, 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 de Noun, avec le déluge, c'est Nouh. Et il y a, il y a Abraham, il y a, il y a énormément de points communs. Donc si Dieu a été occulté, ne serait-ce pas là déjà un travail, tout comme il est occulté, on occulte <coughs> Dieu de toi à l'heure actuelle. On parle de mère nature. Alors, on, on, on refuse de s'incliner devant Dieu, mais on s'incline de manière très très païenne vers cette nature qu'on a féminisée et à laquelle on a de, de, carrément donné euh, je ne sais pas moi, une, des mamelles, on comme va, si elle était nourrie. On va même jusqu'à dire, et ça je l'ai remarqué, remarqué souvent, à hein, des, des gens qui meurent, euh, paix, paix à son âme. Qu'est-ce que ça veut dire, paix à son âme Pour ne pas dire. Euh, euh, alors c'est des musulmans, hein, mmh. c'est des musulmans qui disent ça, pour ne pas dire, euh, comme on, on l'a toujours dit, « Que Dieu, Dieu l'enveloppe de sa c'est quoi, quoi Que la terre lui soit légère ».– C'est parce qu'il y a un problème à euh, euh, invoquer ou citer le mot « Allah ».– C'est ça. – C'est ça oui, le problème. Ça. Euh, c est, c est pro – C'est un problème, donc là… – C'est un problème psychologique. – Psychologique, hein. oui. Psychologique. Euh, – Une inhibition. Qui, oui, c'est une, inhibition une inhibition, qui est imposée oui. par la culture. Mm. La culture, ça, mais le, les modes d'enseignement, éducatif, bien etc. Bien le cumul mm. des siècles. Mm. Euh, donc, il y a, pardon, y a... pardon là, avant de, avant de mm. poursuivre. Donc, si je me fie à ma logique, tout comme il y a eu Iblis qui est venu détourner un peu, on va dire embellir un peu ce qui est mauvais en parlant de l'arbre de l'immortalité plutôt que de l'arbre interdit. Tout comme il y a eu, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un comme, comme Abdullah ibn Saba qui, qui a créé une, un schisme en islam avec le schisme. Et là encore, le schisme, normalement, on ne on devrait, devrait plus parler de, tous, de, de toutes ces histoires, ces querelles euh, qui relèvent beaucoup plus de l'histoire que du religieux. Euh, mais il y a toujours eu des hommes comme ça, Paul, Paul de Tarse, Samiri, à l'époque ouais, de, de oui, Moïse, Alisem, oui, des oui, gens oui. qui sont venus détourner, dévier un peu la, la vérité avec beaucoup de. Là encore, est-ce qu'on peut parler d'intelligence ou faut-il faut surtout parler de malice Donc il y a un travail. C'est plutôt de la subversion. De la subversion. Oui. Non, il y a des gens qui sont. Vous savez, oui. Moussaïl al était quelqu'un d'intelligent. Il avait oui. des pointes d'intelligence. Mais quand l'intelligence est mal placée, ça devient, il devient malin, pas intelligent. L'intelligent ne va jamais à l'encontre de, de, de Dieu. Mais donc, ça veut dire que ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui est devenu un problème parce que des hommes se sont, se sont ingérés dans la question et ont fait en sorte qu'il y ait une déviation. Et à partir de là il est devenu presque anormal, voire interdit, d'évoquer Dieu. Mm. Dieu, vous ne l'évoquez que chez vous, à la maison, dans la sphère publique, dans la sphère privée. Maintenant, ils investissent la maison, en vous interdisant d'enseigner ça à vos enfants. Vous oui. savez, dans... je une parenthèse, et puis je reprendrai là où on s'est arrêté tout à l'heure. Dans, dans le, les textes de loi de, des droits de l'enfant, de l'ONU, on vous dit clairement qu'à 11 ans, l'enfant doit avoir la liberté de, oui. de, de, de croyance. De, croix, oui. de choix. Qu Qu'est-ce oui. mmh. Qu que ça veut dire mmh. euh, et, et la suite des textes, euh, elle, elle éclaircit le, le, le texte de loi elle, elle explique. Vous ne devez pas, euh, chez vous, hein, ouais. donc en, euh, devant vos enfants, euh, être trop religieux parce que vous allez les influencer. Vous n'êtes pas censé les influencer. Donc déjà, on rentre chez vous, dans la maison, dans, on investit votre cellule familiale pour former une famille comme, 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 comme le veut Satan, pas comme le veut Dieu. C'est ça le problème. Alors, avec le cumul des siècles, par exemple, euh, prenons un exemple concret. Les, ex les existentialistes <coughs> qui sont apparus euh, au XXe siècle, au siècle dernier en France. Jean-Paul Sartre, ça a été, ça a été ah, initié par les Allemands, mais bon. Allemand, comment il s'appelle le philosophe allemand C'est lui, oui. J'oublie son nom. Euh, son mais c'est Jean-Paul Sartre qui voilà, a exactement. – je, je ne parle pas puis, des Puis euh, l'écrivain, hein. comment il s'appelle l'écrivain qui a vécu ici en Algérie Comment il s'appelle déjà Camus, Pierre, Camus, Camus, Albert Camus, Camus, Camus oui. et, les, et les autres. Oui. Mmh. Euh, euh, Albert Camus, il pense mmh. plutôt vers l'absurde, l'absurdité de la. C'est l'existentialisme. Oui. Alors, un existentialiste. C'est quelqu'un de foncièrement athée. Oui. Simone de Beauvoir, la compagne de Jean-Paul Sartre, elle aurait pu être sa femme, mais elle, elle, ni lui ni elle ne voulaient être mariée et femme. Parce que être mariée femme, c'est euh, une, 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 un, l'agencement divin de la famille. Alors il préfère rester compagnon comme ça, concubin. Alors, euh, euh, Simone de Beauvoir. Dieu a créé deux sexes, parce que tout l'univers est dualiste. Nous avons créé de toutes choses un duel, deux, deux choses. Féminin, masculin, des couples. Mm. Mm. Il euh, y a une parité. Féminin, masculin, chaud, froid, euh, lumière, euh, obscurité, etc. Alors, les existentialistes qui ne croient pas en Dieu, et qui sont le produit d'un cumul des siècles, donc vous avez parlé de culture, vous avez, vous avez raison, eh ben comment va-t-elle exprimer euh, euh, son opinion sur le féminin et le, le, le masculin Eh bien, elle va vous dire, euh, elle va vous écrire d'abord un livre qui s'appelle Le Troisième Siècle. Oui. Mmh. Et puis, elle va vous dire, on ne naît pas femme, on le devient. On devient. Mmh. Mmh. Elle vous dirait clairement, euh, si vous avez un bébé mâle, euh, habiller le dès le départ avec des jupes et les, les ses, ses cheveux c'est le salon et euh, euh, oui. mettre lui des des des, des, des... c'est la théorie des gens avant l'heure oui la alors ce eh ben, sera ça, une femme mais oui. la, si vous faites le contraire avec la fille vous lui donnez des jeux de guerre etc oui. eh ben, ça deviendra c'est à dire que ce n'est plus une volonté divine cette dualité Sexuel, c'est plus une, 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 une volonté divine, c'est ce, ce que fait la société. Donc la, la société doit changer pour que ça change. C'est ça le problème qui se pose. Mais quand il, que, comme je vous ai dit, quand ils les, lisent les sages anciens, pourquoi les sages anciens qu'on a cités, les trois, ne citaient pas directement Dieu, mais ils apprenaient aux gens la voie qui les mène vers Dieu Pourquoi Parce qu'ils ont remarqué une chose les gens ont tendance à trop. Euh, euh, el, el, à, à, trop à trop polémiquer Controverse. et controverser sur Dieu existe ou n'existe pas. Mm -hmm. Alors ils vont perdre tout leur temps et toute leur disposition mentale, euh, psychologique, leur le, 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 substance même, ils vont voilà, la, la bouffer, leur entre guillemets, euh, à, à, à essayer de, 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 de faire croire l'une ou l'autre des Dieu autres. existe ou n'existe pas. Alors ils ont trouvé cette, cette mm. sagesse. Oui. Bon ne Là, pas, ce que René Guénon appelle la, la, la tradition primordiale, ça en fait partie. La sagesse hindoue, oui. la sagesse. Par exemple, quand, 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 mm. quand vous lisez mm. le livre des vertus de Confucius, mm. les huit vertus mm. euh, majeures, cardinales. Le et respect, quand vous trouvez le respect, le respect des parents, oui, en, le, oui. la piété filiale mm. tout oui. à fait oui. en haut et, 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 et juste après le, le, le haya. la c'est semblable hein. à l'Islam c'est des c'est des, simili, des similitudes avec, oui. avec, avec euh, les euh, l'Islam les... ah. la oui. et puis Confucius il vient oui. il vous dit oui. euh, euh, l'une des vertus majeures cardinales c'est le, le, oui. le, la piété filiale ça donc ils apprennent aux gens l'Islam sans leur citer euh, des choses qui vont créer des dissensions entre eux, c'est-à-dire des, des polémiques ou des controverses. Oui, mais là, là encore, justement, quand, quand, quand je parlais tout à l'heure de la terminologie à, à utiliser et sur l'importance de faire la distinction entre nature et culture, cette même Simone de Beauvoir, qui sert d'exemple à pratiquement tous les, toutes les féministes du monde et qui est placée comme une icône. Elle-même, dans son livre « Mythes et légendes », enfin, il y a deux parties du deuxième sexe, elle, elle dit à un moment, elle dit à un moment euh, en parlant de la femme, alors elle, elle explique un tas de choses par euh, des théories qui, qui, un, qui ne sont pas du tout avérées, comme la théorie de l'évolution. Parce qu'à un moment donné, elle parle même des des, des, des sociétés primitives, on a cette idée... De l'homme des cavernes en train de. apportant mm. un gros bâton comme ça, une grosse, une grosse batte et pourtant, tirer la femme. une, une, fourrure, une fourrure, fourrure. et tirant de, de, de une humain, femme par les cheveux. c'est mm. l'image mm. qu'elle vous donne de l'homme. Et, la... mm. et elle dit, en parlant de la femme, le lien qui l'unit à son oppresseur n'est comparable à aucun autre. Le lien qui l'unit à son oppresseur, le lien qui unit la femme à l'oppresseur qui n'est autre que le mal. Alors, je me demande comment cette bonne femme pourrait, faire, pourrait, pourrait devenir une référence. Je me demande comment on peut la prendre pour une femme qui a tout fait pour émanciper les femmes, alors qu'elle-même, et vous venez de citer Jean-Paul Sartre, elle était le joujou, le, 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 le jouet instinctif, pour ne pas utiliser d'autres mots de Sartre et de Nelson, l'Américain. Elle était partagée, elle était elle était soumise, soumise à deux hommes en même temps. Et, et c'est normal, c'est pas une vie, je suis désolé. Elle-même devait, devait subir une crise au quotidien, une crise plus qu'existentielle. Donc le, le, le travail est là, on essaye de démontrer des choses qui n'ont aucun fondement, on essaye ensuite... De les, imposer. De, de, de les imposer aux gens alors que l'on n'est soi-même pas du tout convaincu de cela. J'imagine que c'est une femme qui a dû vivre euh, toute, toute sa vie. Sa, sa vie est un cumul de crises qui se sont agglutinées les unes aux autres. Et même Jean-Paul Sartre. J'ai cité à plusieurs reprises ce moine belge euh, qui, qui était aussi spécialiste en psychanalyse ou en psychologie, qui s'appelle Antoine Vergotte, qui disait... Il n'y a pas d'athéisme irréductible, il y a un athéisme pratique qui élimine Dieu parce que Dieu est un gêneur, il gêne Dieu. Ah oui, oui. Quand vous dites, moi, je, moi je, je suis la voix de Dieu, même ceux qui, qui s'opposent à Dieu, ont, ont, vous leur donnez, d'entrée de jeu, tous les moyens de vous confondre si vous déviez de cette voix de Dieu, de cette chérie. Eh bien, Vergote, dans l'encyclopédie de la psychologie, de la, 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 la collection Lydis, il revient sur Jean-Paul Sartre en disant que ce, cet homme qui a passé sa vie à essayer de faire croire aux gens ou de convaincre les gens que Dieu n'existait pas, lui-même, même quand il était seul, il, il lui arrivait de dire Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas, parce qu'il était en conflit avec lui-même. Et, et donc, pour revenir au sujet, le, quand nous parlons déjà de, de canon divin, de loi divine, de dessein divin, de, de providence divine, d'ordre divin, euh, nous ne sommes pas forcément dans, dans un système de pensée qui va faire de, de s'opposer à l'homme, ou qui soit venu, ou qui, était in, qui, qui aurait été initié juste pour écraser l'homme, ça n'a pas de sens. Bien au contraire. C'est pour le bien-être bien de l'homme et pour son intérêt. Mais le problème. D'ailleurs, si que... vous permettez, Barc, oui, euh, professeur, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, la charia islamique, euh, bon, il y, y, y a des règles immuables, comme comme dans toutes les religions et comme même dans toutes dans les, dans les systèmes politiques, il y a des règles qui sont, qui sont immuables et que personne ne que personne ne peut transgresser dans la charia, il y a le, le, des obligations, il y a des interdictions. Perso Absolument. Intangible. Personne ne peut dire demain que le, le, le vin est, 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 est illicite ou, ou je ne sais pas, le vol, le vol est, est illicite ou la fornication est illicite. C'est immuable. Et, mais la charia la, la, la offre, elle a, elle a, des, elle a des, des, des règles aussi qui, euh, par exemple, comme l'Istihad. Euh, dans les cas, dans les contextes où on se trouve devant devant un, un, un fait un fait un fait qui qui, qui qui est là qui gêne ou qui qui pose problème euh, la charia offre offre justement l'occasion de, de régler ce problème par le, par l'istihad l'istihad les et, le, et 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 d'autres et d'autres 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 mécanismes. Euh, mécanismes aussi oui, le l'istihad c'est d'abord, ça se base sur l'analyse. Et c'est ça ce qui manque. Et l'Istihad, professeur, l'Istihad a, a même permis à Omar al-Khattab de. de, de euh, faire un moratoire. De, 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 absolument, de, de, cesser, de cesser, de mettre fin, enfin provisoirement. Oui, moratoire. Absolument. Pourquoi, une Pourquoi, justement Pourquoi Parce qu'Omar al-Khattab. Euh, la euh, le, la, la le, le, le prophète Ali, sallallahu alaihi salam, disait de lui mm. :« Kana mulhaman. Oui. » Il, il, eh. il c'est une inspiration divine. Mm. Kana mulhaman. il ham. Attention, parce que là, je voudrais faire une inspiration. Non, il y a un point très très important parce que ce que nous sommes en train de dire. Là, vous savez, quand on défend l'islam, ou quand on se veut, ou s'improvise, on va dire, défenseur de l'islam, on, oui. on va se mettre à dos les détracteurs de l'islam et, et des super bons musulmans oui. qui ne vous, qui, pour, pour lesquels l'islam n'est que ce qu'eux-mêmes voient de l'islam. Mmh. C'est ça le problème. Figez. Quand vous dites « Kana mulhaman »,« Il était inspiré », certains pourraient vous dire « Non mais qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il est en train de raconter, ce modéré, ce moderniste ?» Alors que euh, je voudrais juste faire rappeler à ces gens-là que quand Ibn al-Qayyim parle de Hidayah, il parle des quatre positions de la guidance divine. Il dit qu'il y a une guidance qui est tout à fait naturelle, elle est innée. C'est celle qui revient dans les propos de Moïse, quand, quand Pharaon lui dit C'est celui qui a donné à toute chose sa, sa forme. Ça, 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 conception, sa, ça. sa conception, oui. puis la, la guider pour, pour faire son œuvre dans la vie. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, un, un, un être humain a été créé pour l'adoration de Dieu et pour jouer son rôle de lieutenant sur Terre, mais vous avez un atome qui a été créé pour faire un travail bien, bien précis et qui ne peut pas dévier mais Cet atome mais... ne s'est pas créé lui-même – Absolument pas, c'est le... impossible. Attendez et juste, oui. je termine. Il parle ensuite de Hidayat Taufik, ou bien le al-Ammah générale. Le c'est ce qu'on a cité. Il y a Hidayat Taufik, c'est-à-dire je suis déjà croyant, je suis j'ai été guidé par Dieu vers le droit chemin, et puis plus je fais pour Dieu, plus, plus Dieu me guidera vers ce qui est meilleur. Il y a un autre palier entre le Hidayat générale et cette guidance qui, 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 qui est qui est la, le, le fait de vous ouvrir les yeux sur, le, sur la vérité, mais il parle en dernière position de hidayatul ilham, des gens qui n'ont pas des gens qui n'ont qui, qui peut-être aucun rapport avec Dieu, mais que Dieu inspire. Et il parle là des philosophes. Donc quand on dit que Sidna Omar ibn Khattab était quelqu'un d'inspiré, il était plus qu'inspiré. Il est, mais, mais il était aussi dans le cadre justement du fiqh al waqf. Il a procédé au moratoire dans, lors de la grande disette qu'a subie la, la société musulmane, mais il a carrément abrogé, non pas un verset, mais l'enseignement du verset ou le, on va dire l'aspect législatif de ce verset, comme le fait de de, pas, de donner le cinquième du butin en termes de foncier aux, aux combattants, il va le relier à d'autres versets du Coran de Sourd al et il dira Non, on ne peut plus faire ça. Et c'était. Il a vu, vu juste. Oui, oui il a mm. plus que vu juste. C'est le prophète mm. mm. qui l'a qualifié de moulin. Mm. Il a dit mm. S'il veut euh, qu euh, mm. Parce qu'il il faisait une différence entre le. Le vrai, et le faux, le bien et le mal. Euh, il a dit aussi que c'est Omar al-Khattab. Euh, prenez une voix, le, diable, une voie, le une... diable en prendrait. C'est-à-dire que, pour, euh, là, là, pour revenir au titre de l'émission, « Fiqh al-Waqa mm. », al-Khattab, qu'est-ce qu'il a pris en considération pour euh, euh, décréter son moratoire Il a compris, et c'est ça son réalisme, il a compris que chaque loi, même la loi de la charia, elle a un esprit et une lettre. Il y a l'esprit de la loi et la lettre de la loi. Il a remarqué que l'amputation de la main, si euh, les conditions de l'amputation n'existent plus, on doit l'arrêter. Parce que l'amputation n'a plus de sens. Elle va perdre son sens préventif et elle va devenir punitive va son pour l'esprit. A... Ouais. Euh, alors, euh, 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 a cité euh, l'année de 2017. Mm. Lui, il avait pr pris en considération une deuxième chose, la, la, la disette, c'est un, un contexte économique général, mais il a pris aussi en considération la mauvaise, la mauvaise gestion des Wally. Parce qu'un voleur peut très bien voler, parce qu'un Wally gère mal. – Le gouverneur. Euh, – Le gouverneur, il gère mal euh, sa juridiction, et donc il euh, y a des gens qui, qui ont des difficultés pour vivre, ils sont obligés de voler. Dans des cas extrêmes. Alors, c'est ça le réalisme de al C'est ça, là, là, pour donner un peu, un peu plus de. va dire de l'eau à votre moulin, c'est comme quand euh, ce fameux gouverneur lui a envoyé une missive disant nous, ouais. nous avons besoin d'argent pour ouais. construire un mur d'enceinte, pour mmh. protéger mieux la ville Avec contre la les voleurs, les bandits, etc. Mmh. « Qu'à Non. Entoure-la protège plutôt, protège-la protège par un bon oui. système de justice. C'est tout à fait ça. Oui. C'est une, un euh, une, 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 une autre occasion. Il a répondu au gouverneur qui lui a envoyé parce que il y a aussi en Islam, il y a cette tenfiz, euh, serat C'est le c'est le, le, le chef qui doit exécuter, euh, 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 dire ou euh, d'exécuter ou non ce jugement. Alors, quand tu lui as envoyé un tas de dossiers pour des mains à couper, Omar euh, al qui était très réaliste, donc il avait ce faire waqa à euh, son apogée, il lui a dit Je vais d'abord reprendre les dossiers, et si c'est à cause de toi qu'ils ont volé, c'est tes mains que je vais couper. C'est très important, parce que là, ça fait ressortir le, 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 la responsabilité dans l'islam. En islam, il y, 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 y a les trois critériums de référence. Mais il n'y a ni clergé, euh, ni élite euh, au sens politique du terme, moderne, ni prélat. En islam, il y a la justice divine, la charia, que tout le monde euh, doit se conformer à ça et l'appliquer. Mais l'appliquer euh, pas d'une façon, euh, disons, euh, comme ça, euh, euh, naïve ou... Euh, abusive aussi. Euh, oui, oui aussi. Oui. Ou c'est beaucoup plus oui. des abus. Être musulman, c'est un choix, c'est une responsabilité, c'est un défi. Vous allez, vous allez euh, vivre euh, une résistance isotonique, physique et psychologique, euh, entre le, le, le bien et le mal. C'est ça le stihad, le jihad, le jihad, la vraie résistance. Donc, à mon humble euh, avis, c'est euh, les juristes consultent qui sont responsables de la jurisprudence. Ils doivent avoir une vision. Euh, très euh, réaliste de, de, de vécu. Pragmatique. Pra, mm. euh, pragmatique, mm. pas au sens américain non, du terme. Non, non, hein. pas au sens américain, bien sûr. Parce sens. que dans le sens américain ouais. du terme, c'est amoral. Non, non, mm. euh, C'est l'intérêt mm. qui prime. non mm. Pragmatique, mm. c'est-à-dire avoir... Euh, – Faire le bon choix. – L'intérêt, et, et, et voilà, et prendre, prendre en considération l'intérêt de, de la, de, de, la de la communauté ou, ou s'il le faut, de l'individu. – Exactement. – C'est pour euh, ça que oui. Le, oui. ne, ne faudrait-il pas aussi que cette vision s'engage dans une sorte de perspective oui. Parce que pour Omar ibn Khattab, on parlait de fiqh, pas, de, pas uniquement de fiqh al mais de fiqh al-ma'alat, le, oui. le devenir, oui. la… Le, le, sur quoi va déboucher une action. Mmh. Ah oui, oui. – C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, comment on appelle ça, le, euh, les visions… – Ce sont de lucidité. – Voilà, ouais, c'est ça, c'est prévoir, enfin, prévoir, la prospective. Pas dans le sens, la prévoir, prospective. la prospective, exactement. – La lucidité, la cherche. prospective. – La prospective, euh, la prospection, la prospective. – N'oublions pas que… Euh, – L'isticharaf. – L'isticharaf. – N'oublions pas que euh, le prophète, alayhi salatu salam, avant même qu'Omar al-Bukhtar n'embrasse l'islam, il a vu en lui ses qualités. Il a demandé à Dieu, il a fait une prière au Ya Allah, l'Esprit de l'islam. Omar ibn al-Hakam ou Omar al-Bukhtar Bah, de qui a créé lui-même Omar al-Bukhtar, a exaucé la prière de l'Esprit il a choisi Omar al-Bukhtar pour euh, enrichir. Oui. le... le... – Et, et d'ailleurs, c'était sous son califat que que la communauté se portait le, le, le mieux. Le mieux. Oui. Ah, oui. Il n'y avait aucun problème. Surtout sous... du point de vue justice. Voilà, exactement. – Là, parce que euh, c'est, euh, j'ai fait une petite recherche personnelle, un, un travail personnel. C'est, c'est un petit euh, opuscule, c'est un petit livre d'Assadir Omar al Il a, il a, il a établi des des des, 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 des éléments constitutifs. Pour une constitution, mais euh, nos no, 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 no érudits euh, ne, ne le remarquent pas ou, ou ne les considèrent pas à leur juste niveau, à leur juste valeur. Et c'est ça le problème des musulmans. C'est ça euh, euh, laisser des choses comme ça passer inaperçues et surtout ne pas se mettre à l'heure de leur temps, la contemporanité. Mmh. Les, les, les juristes ensuite ne réfléchissent pas. Dans le contemporain. Le, leur vécu n'est pas contemporain. C'est le taqlid. Ils sont toujours euh, verrouillés, je ne dis pas ancrés, parce que l'ancrage, c'est bien. C'est pour ne pas euh, dévier. Euh, euh, dévier ou s'égarer. Mais là, c'est un, un verrouillage. Et un verrouillage, c'est négatif. Justement, Il y a oui. Justement tout, quand on étudie l'histoire des grands juristes musulmans, on se rend compte que ceux qui étaient très soucieux d'être euh, respectueux, justement, de, cette, de tout ce background, ce, 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 ce patrimoine juridico-philosophico-juridique de l'islam. – Et même chifféré par exemple. – Oui, c'est des gens oui. qui, qui ont réussi, qui sont devenus oui. les, des, les, les plus grands moujtahidines de leurs oui. époques. Oui. Et puis vous avez oui. le muqallidoun oui. mais alors euh, ceux qui sont dans… Non, c'est ce qui a été dit, et pire encore, ceux qui sont des imitateurs, dont, au sein même des, des principales écoles de droit. Oui. Quelqu'un qui, qui viendrait vous dire, vous dites, bon, telle chose, les savants ont dit que telle chose était licite. Il vous dit, oui, mais dans, dans notre école, ça ne l'est pas. Oui. Ça s'arrête là. Oui. Dans l'école, ça n'est pas... Oui. et Ce n'est même pas, pas quelqu'un qui va vous essayer de, de, de vous faire comprendre que voilà, le fiqh, ou bien le Foutia Kanarat. Je suis beaucoup plus convaincu par ce point de vue que par celui-là. Non, ça n'est pas du tout ça. Ça, c'est nous, nous n'aimons pas ça puis, parce que nous mettons. Et c'est la fille, donc. Oui. Donc, Normalement, euh, il, y a, il devrait, absolument. il ne devrait on y avoir, pas. Aucun. On ne doit pas trancher. Et pourtant, oui. chez les juristes, oui. on a vu, on a assisté, par exemple, à, à la construction de quatre oui. euh, maharibs quatre euh, endroits où devaient se mettre chacun des grands maîtres de l'école euh, juridique de l'époque. Euh, et et, et, de et, 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 et de sans compter les écoles qui ont disparu. Hein, oui. Euh, et oui. des... mm. le tabari, etc. Donc, quand on parle de fiqh al loi, peut-on réellement dire que Sharia, la loi de Dieu, qui émane de la révélation, avec tous les outils, bien entendu, elle, elle, elle est respectueuse ou elle prend en considération l'espace, le temps et par moments l'incapacité de l'homme à se plier aux exigences ou bien aux, aux, aux règles de Dieu, Subhanahu wa Taala. Tout à fait, tout à fait. Par exemple, euh, euh, le, 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 le mois de Ramadan, celui, celui qui, 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 qui n'est pas en, en, en mesure de, de jeûner, donc il y a la Chéria offre, offre d'autres des, mmh. des, des, débouchés, d'autres solutions. Euh, celui celui qui, qui, qui est malade, qui ne peut, peut pas faire ses ablutions, il y a. Y a absolument. doit faire des ablutions sèches, taïmoum, etc. Donc, il y, y a toujours euh, des. La Chéria offre, offre toujours des. Euh, des solutions pour, pour les cas où, comme vous dites, l'être humain qui a été créé est faible. Donc, la lui a toujours des, euh, des solutions de, de, de rechange, Absolument. si, si, si j'ose dire. Oui. Je vous ai parlé de, de verrouillage, d'ancrage, qui est quelque chose de positif. Il nous reste à peine deux minutes. Oui, hein, et professeur. de verrouillage. Par exemple, voilà ce que dit un déconstructeur, quelqu'un qui déconstruit. دونكي كي ديكونستروي ميم لي سورس لي غيفيرونس لقد euh, لا ايلون تران دو تيري بوليغوس لغ الامام الشافعي <مم> لقد قلب الشافعي الامور راسا على عقب. جو سي تو كيفو بارلي. فاعتبر الاساس هو الحرام <مم> الا ما حلل هو ومن هنا جاء القياس وهذا ليس دين اصلا وهو ما نعيش ماساته اليوم. Alors le, le, fa, le chaffier... la dernière phase, les et Voilà un voilà. déconstructeur. Allez, allez donc vous retrouvez là-dedans. Ça ça, ça, oui. ça justement, cette, ces propos-là, inchallah feront l'objet de toute une émission. Donc la prochaine émission nous décortiquerons ces propos. Et nous, moi, personnellement, j'aime bien tirer à boulet rouge sur ces, les, ces, ce genre de détracteurs. Et nous vous démontrerons le contraire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, les hadathiyoun, oui. les modernistes, oui. qui sont en train de vraiment de tout faire pour jeter le discrédit sur les Foukara, Les fouqaha ont fait, les Foukara ont choisi, et l'islam, on l'a perdu. Et on vous parle de l'islam des lumières, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Nous reviendrons sur cela, inshallah la prochaine fois. Nous arrivons au terme de l'émission d'aujourd'hui. Il ne nous reste plus qu'à vous dire « Merci, messieurs.